C'est vraiment grave que ça? Je veux dire, depuis qu'on est inscrit dans cette émission, tous les candidats disparaissent au fur et à mesure. Je demande si Célan Mars va bien. Bref, moi, je sais pas si je vais tenir longtemps avec toutes mes allergies. En tout cas, je suis complètement allergique à la défaite. T'es allergique à tout, de toute façon. Mais ce que je veux dire pour entrer dans votre discussion, depuis le début, depuis que qu'on a rencontré Baldi, il n'est pas vraiment net. C'est vrai, il n'arrête pas de rire. Oui, et quand quelqu'un n'arrête pas de rire, c'est pas bon signe. Du tout, même. Mais enfin bref, comment va-t-on faire pour sortir d'ici? Et je me demande si ce serait pas encore pire que, je sais pas, moi, celui de Diffie Extrême avec lui, Mercier. Ça, j'avoue que ça me fait poser vraiment pas mal de questions. Je me demande même si c'est même encore pire que celui de Whisper dans Diffie Extrême Battle Loufoque. Tu veux dire n'importe quoi? Bref! Nous devons trouver un moyen de percer le mystère. Mais on peut rien faire, il a trop de pouvoir! C'est vrai, mais si ça se trouve... Non, enfin bref, je sais pas en tout cas, je sais pas. Mais bon, si jamais on retrouve à la finale, je trouverai un moyen de percer le mystère. De toute façon, je mène l'enquête tout de suite. Attends, M. la Mercury, tu sais ça trop, il va te faire choper. Toi, tu dis rien? Bah, tu sais, c'est grâce à elle, elle gagne tout le temps, donc... Bah ouais, les mathématiques, c'est sa professionnelle. Ah ouais, c'est pas faux. Et si on aurait fait tout ça pour rien? Ça aussi, je pose des questions. Si ça aurait été pour rien, ça veut dire que j'ai participé à cette émission pour rien. On n'aurait pas participé à cette émission pour rien. On aurait fait torturer tous les candidats pour rien. Je sens que je vais craquer. Welcome to la 8e épisode. Et aujourd'hui, pour cet épisode, vous allez devoir former une équipe de deux. Pourquoi une équipe de deux? Parce que ce sera double élimination. Mais t'es complètement malade! Oh que oui, je suis complètement malade. J'ai des rhumes. Mais enfin bref, voyons voir dans ma liste. Dix, ça voudrait dire que je dois me mettre avec. Eh, dix, c'est leur Mercury, ça te dit qu'on se. Non! C'est moi qui choisis les doubles. Toi, Bob l'éponge, tu seras avec Thèse. Toi, Patrick, tu seras avec Steven. Et toi, Morty, tu seras avec Ami. Et toi, Matisse, tu seras avec Moustillon. Mais c'est complètement injuste, laisse-nous choisir. Non, seul le présentateur a le droit de choisir. Et pour cette épreuve, c'est de lecture. De lecture, mais concernant sur quoi? De lecture concernant, sur les chats. Ça voudrait dire que tu voulais qu'on rédige sur les chats? Ouais. Alors, savez-vous c'est quoi un chat? Un chat, c'est un félin. Comment voulez-vous que j'explique sur ça? C'est complètement évident qu'on sait sur les chats. Ouais, bof, t'as rédigé. Mais je n'ai pas... Et toi, Thèse? Un chat, c'est un être supérieur, avec des griffes, avec plein de poils et des oreilles pointues. Oh! Ça veut dire que tu es un chat? Quoi? Non, mais je ne suis pas un chat! Alors pourquoi t'as des oreilles pointues? Mais je suis un renard! Ouais, si tu veux. Ouais, bof, toi, Patrick. Miaou! Miaou, miaou! Miaou! Miaou, miaou, miaou! Miaou, 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 miaou,
miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou. Mais c'est parfait, chat. Je donne un très belle note. Alors voyons voir. Matisse et Moustillon. Les chats. Mais je peux pas en dire plus sur les chats. Ah bon, et pourquoi? Parce que je suis allergique aux chats. Donc forcément, c'est d'après ce que je m'en souviens. Et, les chats, tout ce qui les intéresse, ce sont des poissons. Ensuite, bah c'est... Les chats ont beaucoup plus de capacités. Ils savent grimper sur les murs grâce aux griffes. Ils savent sauter très haut, ils courent plus vite. Et ce que je sais, c'est qu'il a des... Mais qu'est-ce que je suis censé dire de plus? Non. Quoi? C'est le pire rédigé du monde. Quoi? Bah ouais. Oh mais... attendez une minute, il doit avoir forcément un moyen. Ok. Oui, il y a des forcément moyens. C'est le tour du deuxième équipier. Ah? C'est pas pour rien que je vous ai mis dans deux équipes par chacun. Oh! Alors, on a encore des choses? Peut-être que oui, peut-être que non. Morty, tu peux les rédiger sur les chats? Qu'est-ce que je suis censé te dire? Ce sont des chats qui ont des griffes. Blaire! Quoi? Et toi, Bob l'éponge? Ah oui, je m'en souviens. Kenny le chat. Kenny le chat? Bah oui, le chat qui a réussi à tenir la respiration en tenant un doigt. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que c'était un traître parce qu'il a utilisé une sorte de machine qui permet de respirer sous l'eau. Intéressant, mais pas complet. Mais comment ça intéressant? Pourtant, Mathis et Morty ont donné tout ce qu'ils peuvent pour donner une bonne rédigée. C'est pas toi qui décides, mademoiselle. Et toi, Steven? Mais j'ai pas fait aussi! Sérieux? Quoi? Mais... Ça n'est pas complètement profond. Mais je comprends pas, tout ce qu'il a fait, c'est juste de miauler. En quoi c'est vraiment exceptionnel? C'est exceptionnel parce qu'il savent rédiger. Bon, enfin bref, autour du Moustillon. Je m'en souviens, je peux citer bien n'importe quel chat de chaque Pokémon. Choclipon, Yaous, Flamiaou, ensuite Skitty, et sans oublier Chaglam et leur évolution. Boring! Quoi? Parce que ouais, on veut pas de ce genre de rédigé, on veut le rédigé de cela. Pour la peine, Patrick, Steven ont gagné l'épreuve. Et on gagne quoi? Rien du tout. Mais alors à quoi ça a servi de donner les vainqueurs? Bah justement, vous êtes pas dans l'élimination, donc... Mais enfin bref, voyons voir qui a fait le pire des rédigés. Je vais commencer par la deuxième classe, okay? Bob l'éponge et Taze. Hein? Non, c'est pas vrai. Et vous aurez dû faire mieux la prochaine fois. Éliminer son... Matisse et Moustillon. Quoi? Quoi? Oh non! Hé, tu vas les laisser... Non. Je suis allergique au coup de règle. Non. Et moi, je suis allergique aux losers.